Le seul obstacle était mes enfants. J'ai pris du temps pour ne pas saccager leur vie. Ça a duré 10 ans, le temps de les mettre sur les rails. Vous imaginez ce qu'ils ont entendu. Mais moi je ne voulais pas passer à côté de ma vie. Je ne sais pas comment mes parents, qui étaient l'exemple de la fidélité, de l'éducation, auraient vécu notre mariage. Lorsque son mari apprend la vérité, sa réaction est évidemment violente. Se faire remplacer par un camarade de classe de sa fille, par un ado qu'il a si souvent reçu chez lui, voilà une blessure difficile à penser. Il ne tergiverse pas, il part. On ne l'a plus revu, comme s'il s'était volatilisé. Mon père est mort, je l'ai enterré le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité. Je l'adorais, c'était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter.